tension oculaire, la personne dit que quand elle a la tension oculaire, elle a la migraine. Oui, tout ce qui touche la tête, là, c'est très précieux. Tension oculaire, ça veut dire ce qu'on appelle en termes techniques, on dit c'est un glaucome. Donc s'il y a une tension qui monte du côté des yeux, premièrement, assécher la source des surcharges. Ça veut dire quoi? Pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant 5 jours, pendant une semaine, si vous le pouvez, vous ne mangez que des fruits et des légumes crus. Vous asséchez la source des surcharges, buvez suffisamment d'eau peu minéralisée au cours de la journée, ou bien faites-vous 5 ou 6 verres de jus de légumes où il y a suffisamment d'oignons dedans pour activer la circulation. Cela va vous permettre rapidement d'avoir une bonne circulation. Maintenant, au niveau des plantes médicinales, si vous en voulez, vous trouvez dans n'importe quelle pharmacie spécialisée, il y a les plantes qu'on appelle euphraises. C'est les plantes pour les yeux, la vigne rouge pour la circulation, comment on appelle, la pervenche pour le cerveau. Il faut utiliser ces plantes-là 2 ou 3 fois dans la journée, mais ne pas oublier les jus de légumes qui sont un alicament, c'est-à-dire un aliment médicament, ça permet d'aller vite. Actuellement, sur le Burkina Faso, j'ai mes élèves là-bas, il y a un qui m'appelle tous les jours, il est émerveillé. Il a appris cela, mais toujours il m'appelle pour me poser des questions parce qu'il se trouve face à un certain nombre de cas de personnes qui viennent le voir. Et tous les jours, il a des résultats spectaculaires parce que tous les jours, il applique les fruits, les légumes et les gens se rétablissent beaucoup plus rapidement. Donc, ça fait comme une fumée qui toute la région de Poulsa au Burkina Faso. Les gens viennent de partout de la région pour venir le trouver pour qu'il puisse les aider. C'est extraordinaire. Donc, des guérisons spectaculaires avec les fruits, les légumes crus sous forme de jus, des applications d'argile, etc. etc.